vas-y, oui, oui. Oui, oui. C'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Au pays des jouets. Les amis, on va s'amuser. Oui, vive la vie au pays des jouets. Oui! Un pique-nique en musique. Tu es prêt, oui, oui? Fenêtre. Oh, si tu as de la chance, tous tes amis, tu les verras. Et moi, c'est fou. Je te vois déjà. Et moi, c'est fou. Moi, je te vois déjà. Ta machine à karaoké est formidable, Mirou. Et on peut faire des choses étonnantes avec sa voix. Écoute ça, oui, oui. Sa voix devient très grave. Et après, elle peut monter très haut. Ça c'est génial. Regarde au-dehors, le soleil brille peut-être. Oh, Sournois, ne me dis pas que tu apprécies cette gentille musique. Ou alors quoi? Pas du tout, Fino. Ah bon? Pauvre de moi. J'ai commandé un petit accessoire à la boutique des lutins pour nous permettre de gâcher leur belle ambiance. Wow! Formidable! Oh, c'est génial, Finou! J'adore ça! J'adore ça! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une agrippeuse à manches longs, idiot. Aïe! Je le savais bien! Je te vois déjà! On devrait inviter tous nos amis et les faire chanter tous ensemble au cours d'une grande fête. Ce serait merveilleux, oui, oui. Oh, c'est trop petit chez moi pour inviter tout le monde. Oui, on n'a qu'à emporter ta machine à karaoké dehors. On va organiser un pique-nique en musique. Ah oui, d'accord, oui, oui. On peut le faire cet après-midi. Mais il faut inviter tous nos amis de Miniville. D'accord, on va commencer par faire les invitations. Merci, Zim. Zim et moi, on s'occupe d'aller livrer les invitations avec mon taxi. Et moi, je prépare le pique-nique en musique. Oh oui, oui, ça va être génial, cette fête. Moi aussi, je t'invite, avion de papier. Est-ce que tu as entendu ça, Sournois? Oui, un pique-nique en musique. Non, je veux dire, oui, un pique-nique en musique. Bien. Et donc, chez les lutins, quelle est la règle numéro 1? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Et pour ça, j'ai juste l'instrument qu'il faut. Aïe. Il faut être sûr que chacun à Miniville reçoive bien une invitation. Sans les invitations, plus de pique-nique. J'ai quelque chose pour toi, Sourisseau. Oh, merci beaucoup, oui, oui. Oh, un pique-nique en musique. Hein? Oh.
Et voilà, Azim, on va donner son invitation à Monsieur Culbuton. Fais attention à nos invitations, ma voiture. Ça, c'est l'occasion de gâcher complètement l'ambiance de leur pique-nique en musique. Maintenant, nous n'avons plus qu'à passer dans le carton. Oh, hein? Oh non! Toutes les invitations ont disparu. Je pense deviner d'où vient ce mauvais coup. De vilains lutins gâcheurs d'ambiance que l'on appelle sournois et finaux. Il faut suivre leur piste, vite! Désolée, oui, oui. Elles prennent le courrier par avion. Dépêche-toi, sournois! Vous ne m'échapperez pas aussi facilement! Oh, ne t'agite pas comme ça, sournois! Tu vas nous faire tomber! Oh non, les invitations! Comme c'est dommage. Elles se sont toutes envolées. Et maintenant personne n'est prévenu de votre absurde pique-nique musical. Oh, ah oui. Eh bien moi je viens d'imaginer un plan à la oui-oui qui va tout arranger. Ah, mission accomplie, sournois, car nous avons réussi à gâcher l'ambiance. Un petit instant, messieurs. Seriez-vous les responsables de la dispersion de tout ce courrier? Non. Oui. Oh. Quoi? Il n'y a toujours personne. Oh, je pensais que tout le monde serait heureux de venir à mon pique-nique en musique. Oui, oui, as-tu bien livré toutes les invitations? Malheureusement, j'ai eu des ennuis avec les lutins. Mais je sais ce qu'on va faire. Je peux t'emprunter ta machine à karaoké? Oh, naturellement, vas-y, oui, oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas voir. Votre attention, s'il vous plaît. Mirou organise dès maintenant un pique-nique en musique et vous y êtes tous invités. On adore les pique-niques. J'ai une voix excellente pour chanter en plein air. Ça y est, ça marche. Je peux inviter tout Miniville grâce à la machine à karaoké. Allez, venez tous, venez. Regarde au dehors, le soleil brille peut-être. Alors une merveilleuse journée commence. Qu'est-ce que tu vois, ah ah, de ta fenêtre? Oh, si tu as, ah ah, de la chance,
tous tes amis, tu les verras. Et moi c'est fou, je te vois déjà. Merci, oui, oui, c'était vraiment merveilleux. Ça c'est vrai, mais je ne suis pas sûre que les deux lutins soient de cet avis. Oh, oh, oh. Tu ne vas pas me dire que tu apprécies cette gentille musique. Oh, pas du tout, sournois. Oh. Monsieur Culbuto est dans la mélasse. Oh, 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 quel souci! Sans mélasse, je ne peux pas faire de tarte à la mélasse. Et sans mes belles tartes à la mélasse, la grande fête de la gourmandise sera complètement ratée. Me voilà, monsieur Culbuto. Oh, tu es là, oui, oui. Alors, est-ce que tu m'en rapportes? Vous voulez dire de la mélasse? Eh bien... Oh, quel malheur! Mes fidèles clients vont être tellement déçus par cette nouvelle. Je plaisantais, je vous rapporte la dernière boîte du magasin. Oh bon, je savais bien que tu blaguais. À présent, place à l'art de la pâtisserie. Oh, oh, bah, oh. Mais pourquoi ça ne sort pas? C'est assez poisseux et très épais. Oh, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Oh, 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 oh. Oh là, oh, 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 oh. Pourrais-tu m'aider à me décoller de là? Qu'est-ce que tu vois, Finou? Ah, monsieur Culbuto est dans la mélasse. Oh, laisse-moi garder, laisse-moi, s'il te plaît. Oh, ça me donne une idée, sournois. J'ai bien envie de changer cette fameuse fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Hé, oh. Hey, attends un peu, mais pourquoi je rigole, moi? Je sais même pas quelle idée il a en tête. Oh. Oh. Je vais rester collé là toute la journée. Ah, j'ai trouvé. N'auriez-vous pas un long cordon de réglisse? Oh, on est au royaume de toutes les gourmandises ici. J'ai toujours deux ou trois bâtons de réglisse en magasin. Pourquoi? Tu as envie d'en manger? Non, mais j'ai un plan. Tenez-le bien. Attention! Oh, oh, est-ce que ça va me décoller? Oh, oh, oh. Ça marche, oui, oui, ça marche. Bravo! Ça, c'était un bon cordon de réglisse, monsieur Culbuto. Oh, oh, bien sûr, il n'y a que les meilleurs produits dans mon salon de thé. Finou, à quelle heure on va la manger? J'ai faim, moi. Que ce soit très clair, on ne la mange pas. Oh, on ne la mange pas. Mais alors pourquoi on l'a volée? C'est parce que nous allons changer la fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Hmm. Ah oui, oui. Oh, où est passé le pot de mélasse? Je l'avais posé là sur le comptoir et maintenant il a disparu. Mais sans mélasse, vous ne pourrez jamais faire vos petites tartes. Laissez-moi faire. Je vais le retrouver, ce pot qui a disparu. Attention, sournois, regarde comment je procède et prends-en de la graine. Oh, comment allez-vous, monsieur le gendarme? Bonjour, Finou, ça va? Vous ne venez pas ici pour gâcher l'ambiance, j'espère. Non, 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 mais j'avais une discussion avec sournois concernant la couleur de votre sifflet. Il prétend que cette couleur est dorée, moi je dis qu'il est en métal argenté. Nous permettriez-vous d'y jeter un petit coup d'œil? Hein, mon sifflet? Je ne sais pas... Regarde ça, métal argenté, je l'avais bien dit. Oh là, le maladroit, tout m'échappe des mains. Sournois, veux-tu t'en occuper? Merci.
Vous aimez bien les bons desserts, monsieur le gendarme? Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, il me tarde de goûter les prochaines tartelettes de monsieur Culbuto. Vous êtes donc un grand amateur de mélasse? Eh oui. Eh ben, attrape ça. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme? Oh oui, oui, j'ai la main qui est collée à mon sifflet et j'ai mon sifflet qui est collé à mon casque. Et j'ai bien besoin de mon sifflet pour faire la circulation. C'est sûrement de la mélasse. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Tirez, monsieur Jumbo! Je tire, mais la mélasse résiste à tous mes efforts. Comment cette mélasse est-elle arrivée sur votre sifflet? C'est encore un mauvais tour de Finot et Sournois. Et en attendant, mon sifflet ne peut plus fonctionner. Il est complètement bouché par la mélasse. Comment vais-je pouvoir faire la circulation? Oui. Merci beaucoup, oui. De rien. Bon, alors, à qui le tour maintenant? Je crois que j'ai trouvé. Viens, suis-moi. Potiron, ne pose pas tes pieds sur les pédales. Potiron, ne t'en va pas. Il faudrait rattraper les deux vilains lutins. Mais d'abord, il faut absolument sauver Potiron. Oh bah mes pieds, je n'arrive plus à les enlever. Oh bah c'est quand? Au secours, j'ai les pieds collés sur les pédales de mon vélo. Oh là là, au secours, à l'aide, je ne vais plus m'arrêter. Potiron, vite, suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Laissez passer le potiron à vélo. On y est presque, potiron. Mais je vais. Tomber dans l'eau. Je suis désolée de t'avoir fait tomber dans l'eau. Oh, j'ai beau être un peu mouillé, je suis bien content d'avoir échappé à un vrai accident. Merci, oui. Il faut rattraper les deux lutins. Et je crois bien que j'ai un plan à la oui pour arranger cette affaire assez vite. Avec une bonne goutte de mélasse sur le siège, oui va se retrouver collé dans sa voiture pour un très long moment. Je vous y prends. Alors c'était un piège. Fuyons. Allez, petite voiture, attrapons ces vilains lutins. Jamais il aurait pu prendre les choses pour un œil, ça se dernier pour mes... Rien à faire pour l'arrêter. Sinon, il va nous rattraper. Passe-la à moi. À toi. Non, à moi. Détournons leur attention, petite voiture. Prenez tout votre temps, Finot et Sournois. C'est toujours tellement amusant de courir après vous. Hein? C'est amusant. Laisse-moi t'aider, Finot. Tu appelles ça m'aider vraiment? Oui, je te prie de bien vouloir me décoller de ce pot de mélasse tout de suite. Ce n'est pas du tout mon intention.
Je crois plutôt que je vais vous donner une leçon, vilain lutin. Vous allez m'aider à faire de la fête de la gourmandise une merveilleuse journée. Oh non! Oh mon cher Oui-Oui, merci mille fois d'avoir retrouvé ce pot de mélasse volé. Heureux d'avoir pu vous aider. Avec ce qu'il restait, j'ai pu préparer des tartelettes à la mélasse pour tout le monde. Ne renversez pas les tartes. Il n'y a aucun risque. Parfois, un petit peu de mélasse bien collante, ça peut devenir très utile. Oh, mon cher monsieur Culbuto, vos tartelettes sont délicieuses. Mais au fait, que deviennent nos deux lutins? Oh, ils ne sont pas très loin, regardez. Ah, quand tu disais que tu voulais faire de la fête de la gourmandise une journée que personne n'oubliera jamais, je n'imaginais pas que tu voulais dire ça. Arrêtez de rire, vous tous, arrêtez de vous amuser comme ça. Surprise pour Monsieur le gendarme. À mon tour de penser à quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé. Mais continuez à faire les sandwichs. Il nous en faut des tas et des tas pour le grand pique-nique d'anniversaire de Monsieur le gendarme. La chose à laquelle tu penses, est-ce qu'elle est grande? Non. Est-ce qu'on peut la manger? Oui. Est-ce que c'est... violet foncé? Ce sont des raisins. Non. Je te donne un indice. Les lutins ne les apprécient pas du tout. Il y a beaucoup de choses que les lutins n'aiment pas. Un jouet. Non, les jouets, ça ne se mange pas. Oh, bonjour, mon Zim. Tu viens nous aider? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ces petits violets foncés, tu penses à des framboiseilles. Tu as trouvé. Un tout petit peu aidé par les bêtises de Zim. Mirou, je crois que nous avons assez de sandwichs. Quel succès! Tous les amis de Miniville seront présents au pique-nique. Ça doit être une surprise pour Monsieur le gendarme. Ça en sera une, mais à condition qu'il ne se doute de rien. C'est bien que Madame Lucky s'occupe du cadeau de Monsieur le gendarme. Oui-Oui, attention, Monsieur le gendarme approche. Attention. Bonjour Oui-Oui, ça va Mirou? Bonjour Monsieur le gendarme. Ça va bien? Excusez-moi, je dois filer. Je suis à la poursuite d'un cerf-volant qui s'est échappé. Il y a sûrement quelqu'un qui le cherche partout. Bon, où est-il passé maintenant, voyons? Nous l'avons échappé, Belle. Il a pu voir quelque chose? Non. Mais pendant qu'il est occupé, allons vite chez Monsieur Culbuto. Place au grand maître de toutes les gourmandises qui vient juste de préparer le dessert préféré de Monsieur le gendarme. Est-ce que c'est de la crème au citron ou alors peut-être à l'orange? Non, cherchez encore. Il y a du citron, il y a de l'orange et il y a des framboiseilles. Non, chez Culbuto, on dirait que ça balance. Oh non, vite les amis, voilà Monsieur le gendarme. Rebonjour, Oui-Oui. Dis-moi un peu, il y a une très chouette ambiance là-dedans. On discutait justement du cerf-volant qui s'est échappé. Il est parti par là. Ah oui, par là. Bon, eh bien, je vais le rattraper. Il a vu quelque chose. Non, mais on a eu de la chance cette fois. On pourrait bien ne pas avoir toujours autant de chance. Il faudrait arriver à l'éloigner un bon moment de la place de la mairie pour pouvoir préparer la fête. Eh oui, sinon son anniversaire surprise ne sera plus du tout une surprise.
N'oublie jamais ça, Sournois. Nous autres, les lutins, nous restons toujours en alerte. Nous restons en alerte. Qu'est-ce que ça veut dire, en alerte? Eh bien, ça veut dire que rien ni personne ne pourra jamais nous surprendre. Oh! Un cerf-volant! Oh, ça, c'est génial! Oui. Enfin, je veux dire, génial qu'il soit tombé sur nous. Comme ça, personne ne pourra s'amuser avec. Oh, c'est le rigolomètre. Il nous prévient qu'il y a des gens qui s'amusent bien par ici. Et quelle est la règle numéro un chez les lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Tout va bien? Moi, je suis prêt. Monsieur le gendarme adore repérer des indices. Il est déjà sur la piste d'un cerf-volant échappé. Il suivra la piste des indices que je vais laisser partout. Et je vais l'entraîner loin de la grand-place. Pendant ce temps, préparez la fête. Je me demande qui a bien pu laisser des empreintes de pas aussi grandes. Finalement, peut-être bien que le cerf-volant ne s'est pas envolé tout seul. Et peut-être bien que quelqu'un l'a volé. Tout cela est très surprenant. Un voleur de cerf-volant à grands pieds et amateur de gâteaux qui aime bien porter des déguisements et pratiquer les jeux de société. Finou. Fais attention, je suis là. Oh, ça alors, regarde-moi ça. Oh, je l'ai bien rattrapé. Un peu de silence, voyons. Chut. Il va être drôlement surpris, monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, s'il y a une chose que je déteste plus qu'un pique-nique d'anniversaire, c'est... Les papillons. Non, c'est bien un pique-nique d'anniversaire destiné à ce gendarme toujours joyeux. Amis, on va tous se cacher. Il faut être prêt à bondir pour faire à monsieur le gendarme la plus belle surprise d'anniversaire qu'il ait jamais eue. Des framboiseilles. Il m'en reste juste assez pour le faire revenir sur la place. Allez, viens, Zim. Alors, toujours des pâtes. Oh! Alors ça, c'est une surprise. Vous êtes vraiment tous ici pour moi, mais comment vous êtes-vous débrouillés pour que tout ça reste une surprise? Ça n'a pas été si facile. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Oh, notre panier, il a disparu. Monsieur le gendarme, j'ai découvert un indice. Voyons voir. Ce gâteau a été abandonné par quelqu'un qui n'aime pas les framboiseilles. Les lutins détestent les framboiseilles. On va suivre leur piste, monsieur le gendarme. Rien de rien. On ne trouve plus d'indices. Mais qu'est-ce que c'est? Ces voix viennent de derrière le garage. Oh, c'est peut-être le voleur au grand pied. Oh, j'ai l'impression de reconnaître ces deux voix.
Je m'en doutais. J'ai trop mangé, je suis malade. Moi aussi malade. Bien sûr, il y avait de quoi nourrir toute la ville. Je suis désolée que ces lutins aient gâché votre anniversaire, monsieur le gendarme. Non, non, c'était tout à fait merveilleux, cher Oui-Oui. Et puis, il y a tellement de framboiselles tout autour de nous. Oh, voilà madame la quille avec votre cadeau. Hélas, je n'apporte pas le cadeau, Mirou. Mes enfants ont voulu l'essayer et le vent l'a emporté. Regardez ce que Zim nous rapporte. Oh, le cerf-volant. C'est votre cadeau. Comment? Mais c'est une merveille. Alors finalement, ce cerf-volant évadé était à moi. Ça, c'est une surprise. Essayons le cerf-volant. Oui. Dans la forêt pour la fête des clochettes bleues. J'espère qu'elles vont m'attendre avant de tout éclore. Dans le travail, on ne se précipite pas, Lindy. S'il te plaît, la clé de 6. J'adore la fête des clochettes bleues. On attend les jacinthes en jouant sur des petites cloches. Lindy, la clé numéro 6. C'est une journée exceptionnelle pour les fées. Je ne peux pas la manquer. Tu peux venir aussi, Wiz. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si tu me donnais la bonne clé, je pourrais réparer la voiture. Et alors, tu pourrais y aller. Pourquoi on ne ferait pas un peu de magie? Parce que mécanique et magie ne sont pas de bons amis. On va réparer la voiture correctement. Oh, très bien. Pas de magie. Bon, je crois que je vais chercher la clé de 6 moi-même. Lindy! Elles sont toutes par là. Pourquoi les clés seraient-elles toujours classées dans le même ordre? Parce que ranger dans l'ordre, c'est important. Lindy, arrête ça, s'il te plaît. Pourquoi? La mécanique et la musique ne sont pas des bons amis? J'ai besoin de sortir le moteur. On va mettre en marche le méga aimant. Oh, Wiz, ça va nous prendre des heures. Oh, je suis désolée. Oh, tu vois ce qui arrive quand on s'obstine à utiliser la magie. Je vais le réparer. Arrête. Oh. Lindy, encore plus de magie n'est pas la bonne solution. Mais seulement pour cette fois. Non, c'est non, tu m'entends? Il faut arrêter. Je ne veux pas de magie dans mon garage. Si tu ne veux pas travailler en respectant mes règles, alors il vaut mieux t'en aller. Très bien, Wiz. C'est comme tu voudras. Je m'en vais. Au revoir, Lindy. Au revoir à toi aussi. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Allez, va chercher Zim. Mon chien, Zim. Tu l'as attrapé, Zim. Un parapluie. Désolé, monsieur Scarabée. Oh. Bonjour, Lindy. Bonjour, Oui-Oui. Tu vas où comme ça? Dans les bois, à la fête des clochettes bleues. D'habitude, elle est toute heureuse d'aller à cette fête. Magie. Est-ce que tout va bien, Wiz? Ah, salut, oui, en pleine forme. Regarde un peu. Les outils sont bien à leur place, hein. On ne fait plus de magie. Et Lindy n'est plus là. Mais elle va bien revenir. Oh, je ne dispose pas de cette information. La clé de 6, Lindy, s'il te plaît. Wiz, Lindy n'est plus là. Suis-je bête?
Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à travailler. Et si tu venais plutôt avec moi déguster une bonne glace au salon de thé? Et un dessert glacé, livré sans chute ni culbute, comme toujours, oui. Oh, ça alors, ça ne m'arrive jamais. Es-tu sûr que tu n'as vraiment envie de rien, Wiz? Oui, merci, monsieur Culbuto. Wiz! Serais-tu tenté par une délicieuse crème glacée? Mais aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur aux gourmandises glacées. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens comme détraqué, mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a à réparer. Wiz! Alors, il faudrait qu'on t'examine. Les jacinthes ne vont pas tarder à éclore, Noisette. Il faut répéter un peu, Prunette. Je peux vous aider? Oui, les plus aigus d'un côté, les plus graves de l'autre. Et il faut les ranger dans le bon ordre. Tu parles comme Wiz. Lindy, essaie d'oublier ce robot sévère et son vieux garage tout gras. Mais oui, tu es revenu dans les bois maintenant. C'est vrai, et tu n'as plus besoin de ce machin-là. Arrête, Noisette, et laisse-moi mon marteau. Alors, tu aimes mieux réparer les voitures que fêter les jacinthes bleues, Lindy? Tu as envie de retourner dans ton garage? Bien sûr que non. De toute façon, je suis fâchée avec Wiz. Wiz, la mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Wiz, je suis un robot, je suis un robot. Il n'est pas du tout comme ça. Clé numéro 6. Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Du côté des jambes, ça va. Le coup fonctionne très bien. Un peu trop bien, peut-être, oui, non? Et à l'intérieur, tu ressens quelque chose? Je ressens... À mon avis, Wiz, tu dois être très triste. Être triste, c'est quoi? On se sent mal. Par exemple, quand quelqu'un vous manque beaucoup. Oui, je ne vois pas ce que tu veux dire. Si tu te sens mal, tu ne crois pas que c'est parce que Lindy est partie? Oui, c'est vrai, je suis triste, oui. Et si je suis triste, c'est parce que Lindy me manque. Il faut que vous redeveniez amis. Ah oui, ce serait formidable. Alors, allons dans les bois et retrouvons-la. Oh oui, non, dans les bois. Oui, les bois, c'est rempli de magie. Ça ira très bien, Wiz. Allez, viens. Wiz. Bon. À toi de jouer, Lindy. Oui, désolée. On va recommencer. Il faut que nous répétions. Oui, je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au garage. Lindy, tu les as encore mélangés. Je vais les remettre dans l'ordre. Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à la magie. Noisette, regarde. Nous n'avons plus le temps de faire de la magie. Vite à nos clochettes. Je me demande si nous la retrouverons, oui. On la retrouvera, Wiz. Oui, je l'espère vraiment. Ça, c'est une clé de Lindy, n'est-ce pas? Oui, je la lui ai offerte comme cadeau d'anniversaire. Zim, essaie de retrouver Lindy. Zim, mon chien, rends-lui ça. Et
peut-être mieux qu'on rentre, oui. On ne va pas abandonner. On est venu ici pour retrouver Lindy. Qu'est-ce que c'est? Ce son n'est pas très agréable. Oh, mais il me fait penser à des clochettes, de petites clochettes bleues. Avec Wiz, on remettrait vite ces cloches dans le bon ordre. Lindy, tu as besoin de moi? Wiz! Je vous l'avais dit qu'il saurait le remettre dans l'ordre. Allez, on recommence. Je crois que de l'ordre, ça peut parfois être utile. Heureux de te l'entendre dire, Lindy. Regardez, les jasons. Oh, comme elles sont belles, c'est joli. Bili, bili, bili. Wiz, viens jouer avec nous. Il y a des fois où la magie, ça peut être merveilleux, Lindy. Ah.